À première vue, ce salon de coiffure à Chambéry n'est pas bien différent des autres salons. Mais si les rendez-vous se succèdent, ce n'est pas un hasard. Ici, on travaille avec des produits naturels, on recycle les cheveux et on travaille de façon ergonomique. Ça veut dire que chacune peut adapter son poste de travail à la bonne hauteur pour travailler en confort. Un salon écolo que Rachel et ses collègues ont décidé naturellement de mettre en place. Ça fait vraiment écho avec ma façon de vivre, ma façon personnelle de vivre. Et du coup, pourquoi pas trouver des solutions pour l'appliquer sur le lieu de travail. La première solution a été de recycler les cheveux. Ils représentent 50% des déchets du salon. Donc ça, c'est le sac dans lequel on récupère les cheveux, qui nous a été donc envoyé par l'association des coiffeurs justes, et qu'on va leur renvoyer sitôt qu'il sera plein, ce qui ne saurait tarder. Ils seront ensuite travaillés dans un ESAT et mis en forme dans des filets pour filtrer l'eau des marées noires. C'est vrai qu'il n'est pas plus compliqué de mettre des cheveux dans un sac à cheveux qui est là, plutôt que de venir les jeter dans la poubelle qui est là. Le geste est le même, il suffit juste de changer d'endroit. C'est une histoire de motivation. Un autre geste qui a changé dans le salon, la préparation des colorations. D'origine naturelle, elles sont fabriquées en France. Il suffit de doser le mélange et de rajouter de l'eau à 45 degrés. Une nouvelle philosophie de travail que ne changerait pour rien au monde Mégane. On a des sièges qui se montent, qui se descendent, on a un mobilier adapté, on n'a pas d'odeur. Voilà, retourner dans un salon purement chimique ou autre chose, ça m'intéresse pas. Un avis partagé par les clients et les clientes. Je suis venue ici par le côté un petit peu écologique du salon, parce que j'étais un petit peu agacée par ce qui se faisait ailleurs et j'aimais pas du tout. Parce que quand on rentre dans un salon et que ça sent la chimie, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Les produits chimiques ont été en partie balayés. Aujourd'hui, c'est jour de livraison. Là aussi, tout se recycle. Hop là, voilà. Donc c'est un cuivré intense hein, de notre fournisseur de Nice. Et c'est conditionné dans des sacs en carton. En carton papier, en papier cartonné pour justement le recyclage. À la caisse, les clients peuvent aussi payer avec la monnaie locale de Chambéry. Petit à petit, le salon s'est transformé. Une fierté pour ces coiffeuses qui espèrent que d'autres suivront leur exemple. On fait notre part pour montrer aux autres que c'est possible. À eux de prendre leurs responsabilités et d'essayer de faire la même chose. Enfin, d'essayer de faire la même chose. Une chose est sûre, dans ce salon, on a trouvé la recette du bien-être.